Après un second trimestre catastrophique, la deuxième économie du continent peut enfin respirer un peu. Ce mardi, l'Agence des statistiques sud-africaines a publié les résultats du PIB au troisième semestre de 2020. Après avoir chuté de 51% plus tôt dans l'année, le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a augmenté de 66%. Un rebond largement dû à l'allègement des restrictions liées au confinement contre la Covid-19. Entre les mois de juillet et septembre, l'industrie manufacturière, le commerce et les mines ont été les principaux moteurs de ce sursaut de l'économie sud-africaine. Mais malgré ce rebond bienvenu, l'économie reste en retrait de 5,8% par rapport à la fin de 2019. Selon l'Organisation des Nations Unies, le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique pourrait mettre 5 années avant de retrouver ses niveaux d'avant la pandémie.